Bienvenue sur cette vidéo vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étranger. Et pourquoi l'étranger fait peur? Pourquoi on a tendance à se bloquer, à être moins ouvert quand une personne qu'on ne connaît pas ou qui est soit de couleur de peau différente ou même de région différente, c'est-à-dire physiquement qui a exactement les mêmes traits physiques mais qui vit dans un autre pays, pourquoi on a tendance à être sur la défensive? Je pense avoir un élément de réponse parce que j'ai vu une vidéo sur Reddit, un truc très con, une chenille qui ressemble à de la gelée, un peu comme les gummy bears de Haribo, sauf que bah, c'est une chenille et qui arbore ses couleurs justement pour non pas attirer l'attention, mais justement pour t'avertir qu'elle est dangereuse, nocive, toxique, que si tu la bouffes, eh ben, tu risques ta peau. Et je pense que c'est un mécanisme purement animal de considérer tout ce qui n'est pas soi comme un danger. Alors évidemment, il faut essayer de surpasser ça et que cette ressemblance est très limitée, puisque si maintenant on applique quelque chose sur un peu plus, peu plus proche, même un peu plus rationnel, sur tout simplement la différence entre les singes de la même espèce et qui se cassent la gueule entre eux, là il n'y a plus du tout le même état d'esprit. C'est pas une différence de peur, c'est juste une histoire de force. Mais néanmoins, quand des personnes sont d'une région vraiment très éloignée, qui nous est, je ne vais pas dire impossible de s'y rendre, puisque maintenant on peut se rendre absolument n'importe où. Néanmoins, vous avez compris l'idée, si quelqu'un vient maintenant de Russie, vient en France, il va paraître différent, bien qu'il soit être humain, qu'il appartienne à l'espèce humaine, qu'il a deux yeux, un nez, une bouche. On aura quand même cette impression qu'il appartient à quelque chose d'autre que nous, que soi. Du coup, c'est à peu près le même principe sur cette chenille qui a des signes distinctifs, qui différencie de tout le reste. Elle n'a pas de camouflage pour se fondre. Elle, c'est tout le contraire. Elle a un truc qui est vraiment explosif au niveau visuel pour t'avertir. C'est un peu le même principe que les guêpes. C'est rouge, jaune et noir pour dire attention, danger, danger, aussi bête que ça. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans la façon de voir les étrangers, et je vous parle même pas de physique, de faciès ou de couleur de peau, ça va même au-delà de ça. Il suffit juste que vous preniez quelqu'un qui est sur le même continent que vous, mais qui se trouve à 10 000 km et qui vient et qui ne parle pas forcément la même langue. Il y a toujours cette, inconsciemment, cette petite appréhension, même si t'es quelqu'un de très intellectuel et que tu es au-dessus de tout ça, tu vas te dire nia, quelque chose qui, une petite saveur dégueulasse. J'ai rien d'autre à dire, évidemment. Lâchez-vous en commentaire, lâchez-vous sur le pouce bleu, pouce rouge, abonnez-vous, favoris et évidemment partagez, faites vos dés, faites des vidéos aussi, ça c'est bien ça.